glory is here. Vous êtes une église désassoiffée. You are a church of thirsty people. Vous êtes une église désaffamée. You are a church of hungry people. Vous m'avez cherché de tout votre cœur, dit le Seigneur. Sought me with all your heart. J'ai vu vos pleurs. I've seen your cries. J'ai vu vos cris. I've heard your cry. J'ai entendu vos soupirs. I've heard your wishes. J'ai vu vos sacrifices. I've seen your sacrifices. Je t'ai vu. I have seen you. Je t'ai entendu. I have heard you. Dit le Seigneur. Says the Lord. Ta rétribution sera grande. Your reward is coming. Ta rétribution sera grande. Your reward will be great. Je vois le Seigneur. I see the Lord. Prendre certains au milieu de vous. Taking some among you. Les ramener en Haïti. Taking them back to Haiti. Pour occuper des postes d'autorité. To have official positions. Je le vois. I see him. Au milieu de vous. In your midst. Certains rentreront. Some among you. Pour occuper des grands postes politiques. You have political positions. Pour influencer l'économie. To influence the country. Pour influencer la politique. To influence the politics. D'autres même pour bâtir des églises. Others even to build churches. Pendant que j'ai parlé, les personnes concernées, the people, les personnes concernées, the people that are concerned, sont un revêtement, they are in your midst, sont un revêtement, they will get their clothing, sont un revêtement de puissance, they will feel the clothing of power. Tu rentreras. You will go back. Et tu dirigeras. And you will lead. Tu influenceras. You will influence. Dieu le fera. I will do it. Pendant cette retraite. During this retreat. Certains qui étaient des cadets de leur famille. Those who were declared in their families. Deviendront comme des aînés. Those who were last in their family will become like firstborn. Et la bénédiction de leur famille passera par eux. And the blessing of their family will go through them. Comme Joseph. Like Joseph. Dieu m'a dit cela. God told me this. Tu deviendras une source de bénédiction. You will become a source of blessing. Pour ta famille. For your family. Une source de bénédiction spirituelle. A source of spiritual blessing. Matériel. Materially. Financier. Financial. Dieu t'élève. God pour élever ta famille. To lift up your Dieu t'élève. God lifts pour restaurer ta famille. To lift up your Dieu t'élève. God lifts pour être un espoir de ta famille. To be a hope Dieu t'élève. God lifts pour briser le cycle de la pauvreté dans ta famille. To break the cycle of poverty. Dieu t'élève. God lifts you. Pour changer les choses. To change everything. Koreza keriaba soute keriaba shaya. Ainsi parle le Seigneur. Thus says the Lord. Après cette retraite, after this retreat, après ces 40 jours, after these 40 days, ta renommée se répandra. Your name will be known. Dieu confirmera dans ta vie ce qu'il t'a dit. God will confirm in your Dieu life confirmera what dans you. Ta vie ce qu'il t'a dit dans He le secret. Confirm in your life what you told de manière secret, publique. Publicly. Après. After.
Tu franchis tes limites. You go beyond your limits. Tu franchis tes limites. You go beyond your limits. Tu franchis tes limites. You go beyond your limits. Celui qui a créé l'oreille n'entend-il pas? The one who created the ear, does he not hear? Celui qui a créé la main n'agit-il pas? The one who created the hand, does it not act? Il t'a entendu. He heard you. 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 Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's clap unto the Lord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. You may be seated.